Vidéo. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo pour un serveur privé. Et oui, les amis, mais avant tout, n'allez pas chercher directement le lien dans la description. Suivez bien tout ce que je vous dis, c'est ultra important. Donc, c'est pour ça qu'on ne sommes pas sur le jeu aujourd'hui. Donc, déjà, première chose, il faudra que vous téléchargiez l'application Mega. Donc, vous faites Mega, hop, hop, hop. Voilà, c'est celle-là. Moi, je l'ai déjà installée, du coup. Je vais faire ouvrir. Hop là, vous arrivez. Il va falloir vous créer un compte et tout ça. Donc moi, le truc est là. Donc le lien sera dans la description. Donc pour ça, donc je vais vous remontrer comment on fait. Donc vous allez sur le lien que j'ai en description. Donc quand vous allez cliquer sur la description, ça va faire ça. Coller. Oh, attendez, je me suis trompé de lien. Je vais rechercher l'autre lien. Hop là. Je vais essayer le lien complet. Copier. On retourne sur le navigateur. Normalement, le lien que vous aurez en description, ce sera le bon ici. Je fais quelques tests. Parce que je me souviens plus c'est lequel exactement. Voilà. Donc, le truc est là. Ce lien sera en description. Donc, vous n'avez plus qu'à ouvrir dans l'appli Mega. Hop là. Vous faites importer. Très, très important. Pas télécharger. Donc, vous faites importer. Hop là. Ça va se télécharger. Donc, vu que moi je l'ai déjà, ça se télécharge pas. Ou alors ça s'est téléchargé, mais. Ouais, il s'est téléchargé, donc je l'ai en deux fois. Donc, je vais supprimer celui-ci. Enfin, non, je l'ai laissé tous les deux, on sait jamais. Donc voilà. Je pense que c'est tout pour ça. Normalement, j'ai rien oublié de la manipulation. Normalement, c'est pas très compliqué. Si jamais vous avez des questions, vous me posez en commentaire, et s'il faut, je referai une vidéo pour vous aider. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça ferait toujours plaisir. Attendez, je vais quand même essayer de vous montrer le serveur. Donc c'est JL Clash Royale. Je suis pas sûr qu'il marche parce que je viens d'essayer et il a pas voulu se lancer. Parce que parfois, la première fois que je l'ai utilisé, il a fallu 2-3. Je pense que j'ai attendu 2 jours pour qu'il se lance, puis il s'est lancé, puis ça allait. Et puis parfois il veut plus se lancer, il faut être patient, mais bon. Il marche, ça c'est sûr, il marche, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, vous pouvez aller voir dans ma précédente vidéo, je vous montre, je suis en train de jouer dessus. Du coup, ça vous prouve qu'il marche, mais. Moi, s'il veut pas se lancer ici, je sais rien faire. Donc voilà, on va aller sur mon petit compte pour faire un combat de clan en espérant qu'il y aura Destructor ou. L'autre, je sais plus comment il s'appelle, c'est des gens avec qui j'aime bien jouer. J'ai une sorcière électrique dans un coffre à couronne. Bah, GG, mec. Je suppose qu'il a déjà foutu dans son deck. Ouais, sauf que le deck est pourri. Mais bon, ne vous inquiétez pas, ça ira. Donc voilà, on est à genre 5, même pas à travailler pour le coffre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez. Peut-être 7 avec Supercell, mais bon. Donc en gros, on est 6-7 à travailler pour le coffre de clan. On est déjà au deuxième, bientôt au troisième. Donc les gars, n'hésitez pas à rejoindre le clan pour le renforcer. Ça ferait ultra plaisir. Donc voilà. Je vais peut-être faire une petite game. Je vais faire une petite game. Je sens que je vais me faire démolir. C'est un deck que j'ai pas l'habitude de jouer. Je crois que ça doit être la 2e ou 3e fois que je le joue. Je teste un peu beaucoup de. Je teste plein de decks en ce moment, du coup. On a mis du dégât hein, malgré sa horde. Maintenant, j'ai peur de ce qui pourrait m'arriver. Et il a cru au Père Noël celui-là!
Vraiment sorcier glace. Oh, sorcier électrique plutôt. Ah ouais, ça reste un deck avec le bûcheron. Du coup, je vais mettre mon petit gobelin Servacane qui sert pour gratter. Oh! Parfait. Il va mettre deux tatanes sur la tour, c'est parfait. Je crois que vu l'agressivité de son deck, le type agressif de son deck, je vais pas trop tenter par poser le golem. Il doit avoir cyclé son armée. Il m'a pas montré de barbardéite pour l'instant, du coup je crois que je vais me risquer à poser mon golem. Que je vais pour l'instant juste accompagner deux petites gargouilles. Tu réagis pas, Michel? Oh, vous savez quoi, alors on va aller chercher une 3-0. Ok, Michel, pas de problème. Pour moi, c'est parfait. Soit il cherche à redescendre. Je sais pas ce qu'il a eu, le mec, mais il avait de quoi me défendre, mon golem. Hein, il n'y avait pas de problème. Mais bon, il avait quand même perdu quoi, 3000 points de vie, pratiquement 3000 points de vie sur sa tour, je pense. 2500. Ouais, il doit avoir perdu 2500 dégâts, un truc comme ça. Donc voilà. Ici, c'est tous les combats de clans, donc on gagne assez souvent. En tout cas, comment je joue, parce que regardez, il y a quand même pas mal de victoires. Il y a quelques défaites ici, mais j'ai eu des gros bugs de co. Et c'est parce que le mec là, il joue trop trop mal, le mec qui joue avec moi là. Ben Naxter, c'est un hein, que je joue avec assez souvent. Matteo, il joue pas très bien non plus. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si vous êtes resté à la fin, ça me fait super plaisir. Likez, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Et à la prochaine. Ah oui! Si vous voulez d'autres serveurs privés, Clash of Clans, War Robot et tous ces brawls-là, vous mettez un commentaire et je m'arrange pour vous trouver ça et je fais une vidéo dessus. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine.